Elle est où le bébé? Il est là. Ah mais là t'es bien, oui, t'es bien, t'es pas obligé de bouger. Non, hey, tu me parles là, mes yeux vont dans tous les sens. Oh mais ça c'est olé olé encore, c'est pas possible. Je suis Estelle, olé olé l'oléologue. On m'appelle aussi la reine de l'olive, mais ça, c'est dans le milieu. Ah, ça rassemble tous mes kiffs, donc l'huile d'olive bien évidemment, la food, les recettes que j'aime bien faire et partager, la Méditerranée, la Grèce, les voyages un petit peu et puis l'humour. Parce que mon papa est grec. J'ai une huile d'olive fruitée, sans amertume. Un peu piquante. Bah, le meilleur pour la fin, mais fin F-I-M, bien sûr, pour dire que en fait, l'huile d'olive, ça donne justement du peps à ton plat, donc c'est le meilleur pour la fin, le trait final de toutes tes recettes. Ouais, championnat d'huile d'olive, de dégustateur d'huile d'olive. Donc tu goûtes et tu sens des huiles d'olive à froid. Tu dois trouver quelle est la variété, quel est le pays de récolte. Il y a plein d'autres exercices, trouver si une huile d'olive est rance, si quel est le degré de fruité. Non, bien sûr que non, mais tellement que j'en consomme au quotidien, c'est l'équivalent. Mais réellement, ma grand-mère, elle prenait une cuillère d'huile d'olive tous les matins à jeun. C'est très bon pour la santé. Potion magique. Hebdomadaire. Attends, hebdomadaire, c'est semaine. Alors, je dirais... attends, en quoi comment on peut dire ça? En litre. Litre. Une bouteille, elle va me faire un mois, je dirais. Un litre par mois. Bah, faut plus manger de beurre. Faut manger que de l'huile d'olive. Ouais, faut pas... Je suis pas chaud lapin non plus quand même, hein. Faut pas exagérer. mais je suis olé olé dans mon humour, ouais, quand même. Martini avec une olive. Milos, là, c'était mon kiff de cet été. Première fois que j'y vais, et une île dans les Cyclades, trop belle, avec des criques, avec des très beaux oliviers, dont un que j'ai vu centenaire avec un tronc magnifique. Il y avait à côté d'une bergerie abandonnée, c'était magique. Non, attends, un litre par mois, c'est énorme. Et toi, t'es plutôt vierge ou extra?